Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un nouveau crash test, mais avant de tester l'objet, il va falloir que vous deviniez ce que c'est. Alors voilà, ça se présente comme ça. Alors c'est de la marque Etude House, donc une marque coréenne, donc j'ai acheté ça en Corée il n'y a pas très longtemps. Et donc ça se présente comme ça, donc ce sont des trucs roses, transparents et il y en a plein dans le sachet. Et voilà, donc on va déballer ça. Donc voilà, donc il y a une sorte de pince, un truc qui pivote, c'est rose, c'est pointu, ça pince. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Donc ça penche, on le déplie, on le replie, voilà. Donc à partir de maintenant, vous allez avoir 30 secondes pour deviner ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, est-ce que c'est une pince à linge? Non? Peut-être pas? Peut-être? Écrivez dans les commentaires avant à la fin des 30 secondes, sans tricher, ne regardez pas à la fin. Allez, on vous attend! Et voilà, c'est la fin des 30 secondes, et bien on va deviner ce que c'est? Alors, je vous montre, en fait, c'est une pince qu'on met sur les ongles pour protéger le vernis quand il sèche. C'est-à-dire que, alors que je tiens tout spécialement à dédicacer cette vidéo à ma mère, qui me demande tout le temps de lui faire les ongles, sauf que à chaque fois, donc je termine, et après elle va farfouiller dans son sac à main, et elle revient en me disant « Lucille, j'ai tout abîmé, est-ce que tu peux me le refaire ?» Voilà, donc maman, si tu regardes, c'est pour toi. Alors, on va essayer ça, vous allez voir. Alors sur mes ongles, comme d'habitude, je vais appliquer ma base pour les protéger et ensuite je vais mettre du vernis. Donc là j'ai pris du blanc, donc j'ai appliqué deux couches comme d'habitude. Et ensuite donc je vais mettre ces pinces. Alors vous voyez que ça recouvre l'ongle. Bon, si on tape dessus, ça va, ça n'a pas l'air de faire trop de dégâts, mais on va essayer, on va faire des travaux pratiques. Alors voilà, je vous présente ma trousse à maquillage qui est transparente, d'ailleurs c'est celle de Sandrea que j'aime beaucoup beaucoup. Et je vais aller fouiller dedans, donc je vais prendre mon mascara, mon poudrier. Voilà, on farfouille. Ah, un pinceau. Et on va fouiller encore un petit peu. Voilà, on va vraiment les mettre à l'épreuve ces petites pinces. Et voilà, donc on va les enlever. Et je vois que bah mon vernis n'est pas abîmé, c'est-à-dire que, voilà, on peut essayer de farfouiller dans son sac à main, sa trousse à maquillage, sans risquer d'abîmer le vernis. Et ça, c'est cool pour celles qui ont toujours un peu peur. Voilà, on a fait une longue manucure, on y a passé 3 heures, et on n'a pas envie que ce soit abîmé, mais on est un peu maladroite, voilà. Donc, on met ça, et voilà, ça protège des chocs, et on ne risque plus d'abîmer le vernis. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça astucieux ou pas, ou inutile? Dites-moi tout, voilà, je vous attends dans les commentaires et je vous lirai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, ou abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram, surtout Instagram d'ailleurs, en ce moment c'est un peu mon réseau social préféré, et j'aime bien aussi aller voir vos comptes quand vous likez mes photos et que vous vous abonnez à mon compte, j'aime bien ça, apprendre un peu à vous connaître, ça c'est cool. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !